147 du bout d'un coup. 141.
Chaque sœur avec joie dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tunasalimia asubuhi ya leo kila nduku na kila dada na furaha mingi mujina la Bwana mwokozi wetu Yesu Kristo. Nous saluons également nos frères, nos sœurs qui nous suivent à travers l'internet. Tunasalimia pia wanduku na wadada wale wanatufuata kupitia mtandao. Nous les saluons tous avec joie au nom de Jésus-Christ. Tunasalimia wote mujina furaha mingi mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nous commençons notre culte de ce matin. Tunaanza ibada yetu asubuhi ya leo. En lisant des remerciements. Mukusoma matendo ya shukrani. Il y a la sœur Rebecca Kapinga qui remercie Dieu pour la guérison après la prière de notre pasteur vendredi. Kuku dada Rebecca Kapinga ana njuu ya matunzo yake kupitia mchungaji mkastano. La sœur avait un problème d'estomac un peu compliqué. Dada estomac ilikuwa iko na mluma kabisa na yakuvuruka kabisa. Et après la prière elle est rentrée à la maison, elle a mangé le piment, elle a mangé tout ce qu'elle ne pouvait pas manger. Na kisha maombi arudia nyumbani na alikula yote inawezekanayo. Pour cela, il dit que notre Seigneur soit loué. Le frère Jospin Senga remercie pour la réussite à la première session. Que notre Dieu soit loué pour cela. Le frère Alain Zango remercie Dieu aussi pour la protection durant son déplacement de Mandingusha à Lubumbashi. Et il nous transmet les salutations de nos frères et sœurs de Mandingusha. Recevez les salutations de nos frères et sœurs de Mangudibja. Au nom de Jésus-Christ. Le frère héritier Mukumbi remercie aussi le Seigneur pour lui avoir accordé du travail. Dieu soit loué pour cela. La sœur Asha remercie Dieu pour avoir accordé la réussite à sa fille en première session. Que notre Dieu soit loué pour cela. Le frère Godens remercie
Dieu pour avoir guéri Sam après la prière de notre pasteur. Que notre Dieu soit loué pour cela. La sœur était grave malade. Dada alikuwa mgonjwa kabisa. Par la prière, Dieu l'a relevé. Kupitia maombi, Mungu alimtunza. La sœur Pauline. Dada Pauline anamshukuru Mungu. Pour la guérison de sa fille qui était aussi gravement malade. Jua vile alimtunza binti wake alikuwa mgonjwa kabisa. Après la prière de saint. Kisha maombi ya watakatifu. Que notre Dieu soit loué pour cela. Mungu wetu asifiwe juu ya hayo. Le frère Pierre choriste remercie grandement le Seigneur. Duku Pierre mwimbaji anamshukuru Mungu kabisa. Pour la guérison de son enfant après la prière de saint. Jua matunzo ya mtoto yake kisha maombi ya watakatifu. Que notre Dieu soit loué pour cela. Mungu wetu asifiwe juu ya hayo. Le frère Cisco remercie Dieu pour sa protection pendant son déplacement et pour avoir protégé aussi toute sa famille. Que Dieu soit loué pour cela. Le frère Lebon remercie Dieu pour avoir assisté sa femme pendant l'accouchement. Que Dieu soit loué pour cela. Et pendant que nous allons prier, nous allons nous souvenir de la requête de notre frère Isaac qui demande la prière de saint en faveur de son enfant qui souffre de l'hernie. De même que la sœur Prudence qui sollicite la prière de saint car elle est souffrante à la maison. Ainsi que la sœur Salima qui demande pour son déplacement vers Likasi au deuil, afin que Dieu puisse la protéger. Que Dieu soit loué pour tout ce qu'il fait pour nous. Est-ce qu'il y a des visiteurs? Il y a les couples Tumba qui remercie, qui salue tous les saints avec joie au nom de Jésus. Kuku Josi Tumba salimu watakatifu wote na furaha mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ami Tumba. Ami Tumba. Qui salue tous les saints avec joie au nom de Jésus Christ. Ule anasalimia watakatifu wote na furaha mujina la Yesu Kristo. Est-ce qu'il est là? Etie kwa hapa? Est-ce que le frère est là? Et oui, kwa hapa? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres visiteurs qui sont avec nous? On les salue rapidement. Merci Marie. Vous venez d'où? Le nom? Jinaenu. Sœur Lorraine. Dada Lorraine. Irène. La sœur Irène. Église, est-ce que vous saluez la sœur Irène avec joie? Dada Irène, elle vient de Likasi. Vous venez de Likasi? Likasi. Vous êtes ici pour beaucoup de temps? Voilà, prenez l'adresse de notre sœur et pensez vraiment aller aussi la visiter. Que notre Dieu soit loué pour cela. Voilà, je vais appeler notre frère Amitumba s'il peut venir chanter. Et puis nous allons lire une écriture et nous allons prier pour encore écouter la parole de Dieu. Vous avez besoin d'une guitare? Micro? Micro? Est-ce que vous pouvez lui donner un micro?
Que Dieu vous bénisse. J'aimerais bien chanter un cantique intitulé « Sans argent, sans rien payer ». Si les instrumentistes peuvent me donner la gamme de fa. Sans argent, sans rien payer, moi qui étais un olivier sauvage, mais dans son amour, il m'a donné sa vie. Et aujourd'hui, je suis fils du grand roi. Sans argent, sans rien payer, moi qui étais un olivier sauvage, mais dans son amour, il m'a donné sa vie. Et aujourd'hui, je suis fils du grand roi. La grâce de Dieu m'a sorti de la boue. La grâce de Dieu m'a sorti du péché. La grâce de Dieu m'a sorti de l'abîme. Et aujourd'hui, je suis épouse du grand roi. Vraiment impossible, voir un grand de ce monde laisser son honneur pour se confondre au plus bas. Vraiment impossible, voir un grand de ce monde laisser son honneur pour se confondre au plus bas. Mais quand je vois le grand roi du ciel, le créateur du ciel et de la terre, il laissa le trône, laissa la louange, il laissa la gloire et même la majesté, oui, pour me chercher, moi un homme sans valeur. Oh mon bien-aimé, ça dépasse mon entendement, c'est la grâce de Dieu manifestée pour moi, la grâce infinie du grand Dieu d'amour. Le grand Jéhovah, lui dans la chair humaine, en Jésus-Christ, il est devenu comme un homme de ce monde. Il s'est humilié et il s'est confondu au mortel, le Dieu suprême. Il est devenu mon frère, il marcha avec l'homme, il mangea avec l'homme, il pria avec l'homme, il dormait avec l'homme, nourrissant les affamés, consolant les affligés, guérissant les malades, délivrant les captifs. Oh, c'est la grâce manifestée pour moi, la grâce infinie du grand Dieu d'amour. Sans argent, sans rien payer, moi qui étais un olivier sauvage, mais dans son amour, il m'a donné sa vie. Et aujourd'hui, je suis fils du grand roi. La grâce de Dieu m'a sorti de la boue. La grâce de Dieu m'a sorti du péché. La grâce de Dieu m'a sorti de l'abîme. Et aujourd'hui, je suis épouse du grand roi. Il fut maltraité, il fut méprisé, couronné d'épines. On a craché sur lui, cet homme de douleur, habitué aux souffrances, même pas d'éclat pour attirer nos regards. Mais cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées au bois du calvaire. C'est de nos douleurs qu'il s'est
chargé. C'est par ses meurtrissures que nous me guéris. Oh, c'est la grâce de Dieu manifestée pour moi. La grâce infinie du grand Dieu d'amour. Moi qui étais aveuglé dans la dénomination, dans la confusion, je cherchais la parole, mais j'ai entendu le cri du grand aigle Jéhovah au petit aiglon. Tu as deux ailes pour voler. Et vers le soir, la lumière apparut pour me séparer de la dénomination. Tu as envoyé ton prophète au temps du soir avec un message pour préparer ton épouse. Oh, c'est la grâce de Dieu manifestée pour moi. La grâce infinie du grand Dieu d'amour. Sans argent, sans rien payer, moi qui étais un olivier sauvage, mais dans son amour, il m'a donné sa vie. Et aujourd'hui, je suis fils du grand roi. La grâce de Dieu m'a sorti de la boue. La grâce de Dieu m'a sorti du péché. La grâce de Dieu m'a sorti de la Bible. Et aujourd'hui, je suis épouse du grand roi. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Coucou. Frère. Toujours les saints. Toujours les saints. Toujours les saints. Damopaka, imbambele na ile. Oh, il m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé. Il m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé. Oh, alléluia, Jésus 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 m'a aimé. Dans ton amour, moi pécheur, je suis sauvé. Dans ton amour, moi pécheur, je suis sauvé. Tu laissas le trône, laissas la louange, laissas l'adoration pour moi un pécheur. Tu laissas le trône, laissas la louange, laissas l'adoration pour moi un pécheur. Comment te louer, comment t'adorer, comment t'élever, Seigneur, je t'ai dit merci. Oh, comment t'ouvrir, comment t'adorer, comment t'élever, Seigneur, je t'ai dit merci. Oh, laisse-moi sauter, laisse-moi crier, laisse-moi danser, laisse-moi chanter. Oh, laisse-moi sauter, laisse-moi crier, laisse-moi danser, laisse-moi chanter, laissez-moi louer le Seigneur Jésus-Christ, laissez-moi adorer le Seigneur Jésus-Christ. Oh Jésus, Jésus-Christ, sois loué à jamais. Oh Jésus, Jésus-Christ, sois loué à jamais. Oh mon bien-aimé, c'est que je suis c'est par le sang. Oh ma bien-aimée, c'est que je suis c'est par le sang. J'étais condamné, mais aujourd'hui je suis sauvé. Oh moi, j'ai péché, mais aujourd'hui je suis chrétien. Oh, pour mon salut, pour ma guérison, mon
libération et ma consolation. Pour mon salut, pour ma guérison, mon expiation et ma consolation. Dieu soit loué. C'est notre frère qui aime vraiment cette église. Nous sommes tous des frères. Et nous devons toujours nous édifier les uns les autres. Je pense qu'il aura à travailler avec. Il va préparer un clip avec peut-être la chorale, avec d'autres frères. Et nous avons besoin de nos cantiques. Et le don, quand le don se manifeste, et que ce don est recommandable, nous soutenons cela. Parce que dans le problème des dons, il y a beaucoup de choses. Tout comme la connaissance enfle, le don aussi peut amener quelqu'un à ça. Et là, quand le don enfle, on corrige, vous allez voir que ça va créer des problèmes. Na wakati zawadi naletea mtu kiburi tunapima kumnyolosha unaona sema itazala paka mambo. C'est quoi, un certain moment on observe. Joko mana masamo ya hivi tunakala tu tunangalia. Je sais que parmi nous il y a aussi des frères qui ont des dons. Na yo akusema katikati yetu kuku banduku nao wako na mazawadi. Des dons de chanter. Zawadi ya kuimba. Et ils peuvent toujours être aussi entraînés d'une façon ou d'une autre par ceux qui ont déjà avancé. Nao anaweza pia kuzobeleshwa kubale basha kubatanguria kapia. Dans le ministère il y a des aînés. Mu mahuduma na boku kubale batanguria kapo. N'est-ce pas? Aina vile. Dans le ministère il y a des aînés. Mahuduma kukubale batanguria kapo. Il y a aussi des pères. Kukupia na bababa mahuduma. Tu dois aussi connaître ton père dans l'esprit. Nawe mbutumishi unapasha kujua baba yako mkigo. Nous avons aussi des pères, nous avons des aînés. Et nous leur devons du respect. Même tous les dons. C'est Dieu qui les donne. Et quand Dieu les donne, c'est pour l'utilité commune. Une utilité commune, une. Une seule utilité. Faïda tu moja. Faïda moja juya. Faïda moja juya ote.
Donc il n'y aura jamais de contradiction, il ne peut jamais y avoir de combat, mais il y aura la complémentarité. Parce que c'est pour une seule utilité, une seule utilité commune. Je prêche, c'est pour toi. Pour ton édification. S'il monte aussi pour prêcher, s'il prêche pour cette utilité, on ne se combattra jamais. Il n'y aura jamais de problème. Et tous les dons travaillent dans ce sens-là. Si aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes au milieu de saints, c'est à cause des dons aussi. Et quand Dieu nous donne aussi des dons qui marchent comme il se doit, nous remercions le Seigneur pour ça. Nous soutenons ces dons et nous les recommandons aussi. Que Dieu soit loué pour les dons qu'il nous donne au milieu de son peuple. Nous nous mettons debout. Psaume chapitre 103. Zaburi mia moya na tatu. Mon âme bénit l'Éternel. Nafsi yangu barikiwa milele. Est-ce que ce matin ton âme aussi peut bénir l'Éternel? Eti asubuhi ya leo nafsi yako nayo inaweza kushukuru Mungu? Si ton âme peut bénir l'Éternel, tu dois dire c'est toi. Ton âme bénit l'Éternel. Kama nafsi yako inapasha kubariki Mungu, unapasha kusema ni wewe kweli nafsi yako ibariki Mungu. Mon âme bénit l'Éternel. Nafsi yangu barikiwa milele. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Yote biko ndani yangu bibariki jina lake takatifu. Bénit l'Éternel. Nafsi yangu barikiwa milele. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Na ushisabu hata kimoya kizuri kila alinifanyia. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Prions tous ensemble le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur du ciel et de la terre, tendre Père et bienveillant Seigneur. Encore une fois, mais voici auprès de toi. En cette matinée de grâce, ô Dieu, là où si tu as une requête, lève seulement ta main.
notre Dieu et notre Père. Mungu wetu na baba yetu. Encore une fois ce matin, nous te disons merci. Tu as dit que ta bonté se renouvelle chaque matin. Et que tes compassions ne sont pas encore arrivées à terre. Oh Dieu, en cette matinée de grâce que tu nous donnes, use de bonté à l'égard de chaque frère. Use de bonté à l'égard de chaque sœur. Oui Seigneur, nous croyons que c'est toi l'Éternel qui pardonne toutes nos iniquités. Ainsi ce matin, sous le sang de Jésus Christ, et dans ta présence, pardonne chaque frère, pardonne chaque sœur de toutes ces iniquités, afin que nous puissions bénéficier de tes bienfaits. Seigneur, nous croyons que c'est toi l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Oui Seigneur, ce matin, par ta présence, au nom de Jésus Christ, accepte de guérir chaque père, accepte de guérir chaque sœur. Oui Seigneur, c'est toi l'Éternel qui délivre nos vies de la fosse. Tout le plan que le diable pouvait avoir sur mon frère, sur ma sœur, accepte réellement de tout détourner cela, accepte de contourner cela. Donne la vie à chaque frère, donne la vie à chaque sœur. Délivre-nous de toute tentation, délivre-nous de la main du diable. Quand ta parole sera prêchée, que ton esprit entre en scène, qu'il accorde la vie, qu'il accorde le pardon, qu'il accorde la délivrance, qu'il accorde le baptême du Saint-Esprit, qu'il réponde aux besoins de tes enfants. Merci Seigneur. Nous te recommandons le culte de ce matin, du début jusqu'à la fin. N'oublie pas ton serviteur. Quand il va monter ici, accepte seulement au Père bien-aimé de le saisir pour nous parler de ta part. Merci pour chaque don que tu nous as donné. Que ton esprit entre toujours en scène. Merci pour chaque frère. Merci pour chaque soeur. Merci pour le culte de ce matin. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Que le tout s'efface sous la gloire de Dieu. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. On va chanter juste deux cantiques. Il y a un cantique que vous étiez en train de répéter hier. Si on peut d'abord chanter ça et puis on chante un autre cantique. Après, nous allons écouter la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout, la chorale? Thank you.
Ila makaja kutibandu jiji pamoloka Jitu tila makaja kutibandu jiji pamoloka Onyuma Oh,
239, Dimbo Zabumbi. 239. Dans la présence de Dieu, nous devons être dans la joie. Et il faut le louer avec joie. S'il voulait sans vie, il faut le louer. La louange sied au Fils des hommes. Ce sont les hommes qui doivent. L'éternel. Et ce sont les vivants qui les louent. Dans les tombes, on ne loue jamais l'éternel. C'est pourquoi quand Dieu voulait sans vie, vous devez les louer. C'est ce que nous devons faire. Dieu vous bénisse. Lève-nous pour la lecture de la parole. Nous lisons dans Marc 8, 34 à 38. Vous y êtes? Je lis. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que
Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Na itamusaidia mtu kunini kama akipoteza akipoteza nafsi yake akipata dunia yote mzima? Que donnerait un homme en échange de son âme? Mtu atatoa nini kukabadilisha kwa maisha yake nafsi yake? Ka quiconque aura honte de moi, maana yeyote atanishikia haya, et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, na haya kumasemi yangu katika kizazi kisharati na kianzambi, le fils de l'homme aura aussi honte de lui, mwana wa mtu pia atakuwa na haya yake, quand il viendra dans la gloire de avec les saints anges. Wakati atakuwa mtukufu baba yake na malaika takatifu. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bwana aongeze baraka kusoma neno lake. Bwana, Bwana unikumbuke. Bwana, Bwana Yesu unikumbuke. Éternel notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, l'auteur de toute vie et l'auteur de nos vies, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Nous ne sommes pas meilleurs à ceux qui sont décédés, ni malins à ceux qui sont décédés, mais c'est seulement ta grâce. Dans ta grâce, il t'a plu qu'on vienne dans ta maison. Il est appelé la maison de correction. Si nous venons ici, c'est pour nous améliorer, ou être des bons parents, des bons voisins, des bons pères, Baba bazuri, des bons enfants, Batoto bazuri, des meilleurs voisins, Bajirani bazuri sana, et bref, des meilleurs chrétiens. Na mkifupi wa Kristo wema. Nous te louons ce matin, nous te glorifions tunakusifu, asipiyalo, tunakutukuza, pour tout ce que tu fais pour nous. Kwa ile yote unatufanizia. Maintenant, pardonne nos faiblesses. Na sasa hurumie mauzaifu yetu. Nous sommes des humains, à nous il n'y a rien de bon. Tuko watu ndani mwetu, hamna kitu hata kimoja kizuri. Pardonne-nous. Uturumie. Regardez à travers les sangs qui a coulé. Etiens-nous par ta main. Si tu nous tiens par ta main, nous marcherons correctement. Nous attendons à toi ce matin. Descends toi-même et parle à ton peuple. Oins moi de ton onction céleste. Oins le traducteur. Oins l'auditoire, afin qu'il écoute comme écoute les disciples. Nous voulons être tous dans le lieu céleste en Christ Jésus. Et nous attendons à toi. Ceux qui s'attendent à toi n'ont jamais été confiés. Nous te glorifions encore une fois. À toi la gloire. À toi la puissance. À toi la magnificence. À toi la majesté. À toi la force, au siècle des siècles, commence avec nous et termine avec nous en te glorifiant toutes choses au nom de Jésus. Amen. Avant de continuer, j'aimerais poser la question. Après notre prière de mercredi,
qui a trouvé solution à son problème ou qui a été guéri, qui lève son doigt. Je vois quelques mains élevées. Que le Seigneur soit loué et qu'il soit glorifié. Ce matin, nous allons étudier le sujet intitulé « Avoir honte ». Avoir honte de la parole de Dieu. Avoir honte de Jésus. Ou tout court honteux de lui. Vous savez, quand quelqu'un a honte, ça veut dire qu'il est embarrassé. Il est mal à l'aise. Il doit être mal à l'aise et il a honte. Quand quelqu'un a honte, il vit encore une seconde chose, le manque d'assurance. Oui, c'est quand quelqu'un est sûr, il va parler librement, sans honte. Mais quand quelqu'un a honte, ça veut dire n'est pas sûr de quelque chose dont il parle. Et si vous avez honte de Jésus, ou de la parole de Jésus, c'est les deux, font un. Jésus est la parole. C'est la même personne. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et là habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Donc si vous avez honte de la parole, si vous reniez la parole, vous reniez Jésus. Vous le reniez. Alors quand quelqu'un n'a pas honte, il est sûr. C'est pourquoi vous verrez les prophètes d'ancien temps, il pouvait s'élever, il n'avait pas honte. Il pouvait défier le roi. Tous les chrétiens d'autrefois, ils n'avaient pas eu honte. Paul pouvait s'élever et dire, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il n'avait pas eu honte. Mais vous, aujourd'hui, vous avez honte. Si vous refusez une parole de Dieu, vous avez honte. Élie pouvait s'élever et dire, il n'y aura pas de pluie ces années-ci, sinon à mes paroles, sinon à ma parole. Vous voyez les prophètes quand ils prononçaient l'ainsi dit le Seigneur, ils s'identifiaient à ce ainsi dit le Seigneur. Il s'identifiait à la parole et prenait la place de Dieu. Il dit, sinon à ma parole. Il était sûr. Quand quelqu'un a rencontré le Seigneur, il devient sûr. Il devient inébranlable. Même si vous lui amenez n'importe quoi, il sera inébranlable. Il sera sûr. C'est pourquoi il n'avait pas eu honte. Aujourd'hui, les chrétiens sont honte. Si tu te dis chrétien, vivez en conséquence. Vivez en conséquence. Et vous faites honte à Jésus. Imaginez un peu un père.
Il a son fils. Et son fils là, le père le présente devant les gens. Voici mon fils. Et que le fils venait à le renier devant les gens. Si réellement son fils, c'est son fils, le père aura honte. C'est ce que vous faites à l'égard de Jésus. Ah. C'est ce que vous faites. Vous dites que vous êtes chrétien, mais vous vivez autrement. Vous vivez comme le monde. Et vous jetez l'opprobre à la parole. Jésus aura honte. Et quand vous reniez la parole, quand vous jetez la parole, vous avez honte de lui. Lui aussi aura honte de vous. Ah. Ce jour-là, on viendra, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas parlé à ton nom, n'avons-nous pas fait ceci, il dira, éloignez-vous de moi, l'iniquité. Nous ne devons pas avoir honte. C'est comme les luthériens. Les gens qui ont suivi le message de Luther. Avant, ils n'avaient pas honte. Et ils pouvaient être tués par les catholiques. Ils n'avaient pas honte. Les gens qui ont suivi le message de Wesley. Ils n'avaient pas honte. Il pouvait être tué par des Anglicans. Ils n'avaient pas eu honte. Et les pentecôtistes, au début, ils n'avaient pas eu honte. On pouvait les traiter de fanatiques ou de ces. Ils n'avaient pas eu honte. Mais aujourd'hui, ils se sont organisés. Es-tu un chrétien? Es-tu un chrétien? Non, je suis pentecôtiste 100%. Es-tu chrétien? Je suis méthodiste 100%. Es-tu un chrétien? Je suis catholique 100%. Ces choses n'existent pas dans la Bible. Il y a des chrétiens dans la Bible. Et on les appelle chrétiens parce qu'ils vivaient comme Christ. Mais quelle est ta vie aujourd'hui? Tu vis comme Christ? C'est pourquoi nous aussi nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes des chrétiens. Branham, c'est un prophète. Il a sa place, mais nous sommes chrétiens. Alléluia. Amen. Nous sommes des chrétiens. Alors ils se sont organisés pour entrer dans le conseil œcuménique. Et le conseil œcuménique, à la fin là-bas, ils entreront dans la marque de la bête. C'est pourquoi sortez de ces mouvements, sortez de ces organisations et venez à la parole. Revenez à la parole. Sortez là-bas. À la fin, vous irez dans le conseil œcuménique et vous aurez la marque et vous aurez la marque de la bête. Vers la fin, c'est la marque de la bête qui va venir. Aujourd'hui, c'est le conseil œcuménique. Mais à la fin, c'est la marque de la bête. Et pendant que Frère Branham mettait en garde contre le mouvement œcuménique, il s'est levé quelqu'un d'autre pour dire, non, c'est un bon mouvement. Les catholiques aussi auront le Saint-Esprit. Non, ça c'est un piège du diable. Ah.
Alors le frère Chakarian s'est dit non, s'est levé et dit. Le frère Branham ne nous a pas dit ça. Donc Branham a à ce moment-là, le frère a été quelque chose, je ne sais pas si c'est en Afrique. Alors on a dit téléphoner frère Branham qu'il vienne même pour. Et ils ont cotisé. Et on a appelé frère Branham pour venir prêcher. Alors ceux qui se disent chrétiens, souvent on les voit dans les bars, dans des problèmes. Et ça décourage les païens. Les païens nous connaissent. Ça décourage les païens. Ceux qui se disent va mon parole. Regarde ce qu'ils font. Ceux qui se disent chrétiens, regardez ce qu'ils font. Mais si toi tu fais ça, mais Dieu néanmoins ne manque pas de témoins. Il y a des vrais chrétiens. Et nous, il y a des vrais chrétiens. Et dans cette brochure, dans cette prédication, le prophète parle d'un ivrogne. Il y avait sa femme qui est une chrétienne. Et pendant qu'ils étaient ici, c'est dans le bar, en train de boire, il s'entretenait avec ses amis. En tout cas, les chrétiens n'existent plus. Mais ceux qui s'appellent chrétiens, ils font des choses comme nous. En tout cas, nous sommes découragés. Et l'autre qui avait sa femme, le chrétien, il a dit, mais moi j'en connais une. Cette personne-là, c'est ma femme. C'est ma femme. Ils ont dit non. Nous allons l'éprouver. Chaque chrétien dans sa vie doit être éprouvé. La foi sans épreuve, elle ne sera pas solide. Quand le vent vient, il nous bouge, nous enfonçons les racines. Alléluia! Tout chrétien doit être éprouvé. Et après l'épreuve, alors ils ont dit, nous allons l'éprouver. Elle ne savait rien. Ils ont acheté les œufs. Et cette fois-là, ils ont dit, nous n'allons pas boire. Nous allons faire semblant d'être ivres. Alors le mari a pris les œufs. Il est arrivé avec ses amis en train de tituber comme s'il était ivre. Ses amis aussi tituber comme s'ils étaient ivres. Alors l'homme dit, prépare-moi les œufs. La sœur a pris les œufs. Elle a préparé. Elle a mis sur la table. Elle a vu seulement son mari. Elle prend l'assiette et le renverse. Il jette par terre. Et il dit, c'est comme ça qu'on t'a appris à faire mes œufs. Si c'était toi, ma sœur, tu aurais dit, Léo Moutani Papa. Aujourd'hui, tu vas me prendre sous le dos. Elle n'a rien dit. Comme son maître Jésus-Christ. On frappait Jésus-Christ. Il ne disait mon,
On frappait Jésus-Christ. Il ne disait mot. On a labouré son dos. On a fait des sillons sur son dos. On l'a blessé. Il n'avait rien. Il n'avait rien dit. Semblable à celui qu'on amène à la boucherie. Une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Mais toi, ma soeur, tu allais dire Léo Moutani Papa. Et quand tu fais cela, tu échoues au test. Et elle est restée calme. Et puis elle a commencé à balayer. Mon frère et ma soeur, vous devez porter votre croix. Suivre Jésus, ce n'est pas facile. Portez votre croix. Et suivez-le. Et à la fin, vous aurez votre couronne. Et elle a commencé à balayer et à chanter. Jésus doit-il porter sa croix tout seul? Tout seul. Yeah, moi, yeah, tout. Et elle est le reste du monde est vivre dans l'insouciance. Il y a une croix pour chacun. Il y a une croix pour moi. J'ai porté cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Alors j'irai dans l'enlèvement pour porter une couronne. Pour porter une couronne. Jésus doit-il porter sa croix tout seul? Tout seul. Et le reste du monde vivre dans l'insouciance. Il y a une croix pour chacun. Il y a une croix pour moi. J'ai porté cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Alors j'irai dans l'enlèvement pour porter une couronne. Pour porter une couronne. Alléluia! 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 Nous devons porter. Chacun de nous doit porter sa croix. Alors, dans la chambre où ils étaient, ils ont titubé, aller dans la chambre. Maintenant, ils se disaient, réellement, cette sœur est une chrétienne. Et le mari a dit, qu'est-ce que je vous disais? Ils ont répondu, c'est une chrétienne. Les païens nous connaissent. Et parfois ils disent, où le Kamanaenda pour enlèvement, si sera enlevé, nous-mêmes aussi nous irons. Vivez comme des chrétiens. Oui, je suis à Christ. Ne faites pas honte à Jésus. Je suis parti chez Yeshua. Et aujourd'hui, si vous avez honte de lui, il aura aussi honte de vous. Alors nous venons au cas des gens qui n'avaient pas honte. Nous allons épingler quelques cas. Puisque quand quelqu'un rencontre le Seigneur, il devient inébranlable. Alors nous prenons Noé. Noé a eu grâce devant Dieu. Dieu lui a dit, fais-toi une arche de gopher.
Les gophères, c'est un bois qui suce de l'eau. Gopheri ni muti moya inanyonyaka mai. Dieu, nos pensées ne sont pas ses pensées. Hein? Mungu, mawazo yake na mawazo yetu. Et nos voix ne sont pas ses voix. Na manjia yake na manjia il yetu. Prend quelque chose de faible. Eko na beba kitu cha udhaifu. Il suce l'eau. Kile kinanyonyaka mai. Mais il a dit, ambime, mettez le bitume. Lakini alisema wekepo byayulu. Et quand on met le bitume, c'est fini. Ça ne peut pas faire entrer de l'eau. Dieu peut prendre un païen. Même la plus prostituée. Et la faire une chrétienne. C'est ça le grand miracle. Votre vie, c'est un miracle. Et louez l'Éternel pour cela. C'est un mauvais type. Le faire un saint. Dio. Alors il a fait l'âge. Na kisha kafanya safina. Quand il a fait l'âge. Wakati alifanya safina. Il a terminé. Alimaliza. Le prophète dit qu'il a fait 120 ans. Biblia anasema alifanya miaka 120. Mais moi j'ai vu dans la Bible 100 ans. Bon, je sais pas. Mimi ndo ndana Biblia miaka 100. Moi j'ai vu 100 ans, que ça soit 100 ans ou 120 ans. Iko miaka 100 wala miaka 120. C'était beaucoup d'années. Ilikuwa miaka ya mingi ilipita. Quand il a terminé, il a dit. Wakati alisha alisema. Entrez. Mwingieni. Les gens ont refusé. Bantu walikatala. Mais Dieu a évangélisé aux bêtes. Lakini Mungu alihubiri kwa manyama. Les bêtes sont venues. Banyama walikuja. Les lions, les gazelles, Simba, tout ça. Bakasha, ibiote. Baringia. Et là, na pale, le lion n'a pas mangé la gazelle. Simba non. Kumukura kasha. Non. En Jésus-Christ, on ne se mange pas. Daniel Christ, tukula nake. Nous sommes tous frères. Chebote tuko banduku. Alors, les bêtes sont entrées. Sont entrées. Baringia. Et Dieu a laissé toujours. Na Mungu aliacha mashiku saba. Dio. Éphèse, Sardine, Pergame, Thyatira, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Aujourd'hui, les portes de grâce sont ouvertes. Bientôt, elles vont se fermer. Faites vite pour entrer. Ne ratez pas. Et aujourd'hui, si tu es là, tu n'as pas encore pris la position de suivre Jésus. Kufuata Yesu Kristo. Fete-le. Uifanya leo. N'ayez pas honte. Ushishikie haya. Et si quelqu'un a honte de lui, hata kama mtu akimshikia haya, lui aussi aura honte de lui. Yeye vile vile atakuwa na haya yake. 7 jours. Masiku saba. Et après 7, la porte fut fermée. Na kisha masiku saba mlango ikafungwa. En ce moment-là, ils ont fait des météos de ceci, il n'y avait pas de pluie. Na mwele wa siku walifanya mameteo yabo hakukua mvua. Mais lui, il était sûr. Lakini yeye alikuwa na hakika. Mungu alinyambia. Il y aura le déluge. Utakuwa gharika. Et il y aura le déluge. Na pia kweli gharika itakuwa yako. Akushikiaka haya. Ils ont vu seulement des gouttelettes. Barona tutu matoni. Nivula. La pluie a augmenté. Vula nongezeka. Seigneur avait raison, hein. Huyu bwana alikuwa na sheria. Ça a augmenté, ils ont suivi. Iliongezeka anasema. Ouvre-nous, tu avais raison. Noa tunechika alikuwa na sheria. Trop tard. Ne venez pas trop tard, mon frère. Ne venez pas trop tard, ma soeur. Ne venez pas trop tard, ma soeur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'engrandissez pas vos cœurs comme un riba. Trop tard et tous sont décédés. Nous prenons une deuxième personne. Tu bébé mutu wa pili. Ah, c'est Moïse. Ni Musa. Je pense au courant de la semaine nous avons brossé aussi le cas de Moïse. Na kadiri ya juma tulisemezea yulu ya mfano wa Musa. Musa. Il faisait paître les troupeaux de son beau-père Jethro. Kwanalisha kondoo mko yake Jethro. Tout d'un coup, il a vu wa ghafla kaona un buisson ardent. Kijiti kunawaka. Mais le buisson ne se consume.
Et là, il a dit non, je vais me détourner pour voir. Et quand il s'est détourné, l'Éternel lui a parlé. Quand l'Éternel lui a parlé, il lui a montré des signes. Et il est rentré seulement avec le bâton. En ce temps-là, l'armée égyptienne était comme les États-Unis d'Amérique. Imaginez, on t'envoie délivrer Israël avec un bâton. C'est de la folie. Mais lui n'avait pas eu honte. Comme Dieu l'a dit, je vais délivrer Israël avec ce bâton. Et il était sûr, inébranlable. Et le Dieu ne lui a pas dit qu'il y aura des jeunesses et des jambres. Non. Quand il est arrivé, il a dit, l'Éternel a dit que tu laisses les enfants d'Israël partir. Pharaon a refusé. Moïse a fait tomber sur le bâton. Moussa l'angouche le bakora. Et le bâton est devenu serpent. Na bakora kakwanyoka. Pharaon a dit petit problème. Pharaon kasema mambo kidogo. Jeunesse et jambresse venez. Yana na yambule kujeni. Ils sont venus, ils ont jeté. Na bakakuya na wakatupa mamichi yabo. Et c'était des serpents. Na ikageuka manyoka. Moïse n'avait pas eu honte. Moussa kushikaya. Il n'a pas dit akusema, pourquoi l'Éternel ne m'a pas avisé qu'il y aura ça. Non. Il était sûr. Il était ferme. Et il était en paix. Na imara ndani ya salama. Il était seulement calme. Alikuwa tu pale kimya. Et il a vu seulement son serpent. Aliona tu nyoka wake. Avalé. Ana meza. Les deux serpents. Banyoka bale bawili. Et c'était fini. Na mambo ilishia pale. Quand Pharaon s'est enorgueilli, na wakati Pharaon alifanya kiburi, il a perdu le nez de sa famille. Alipoteza mzaliwa wa kwanza wa jamaa yake. Israël a perdu. Na Israël wote alipotesha. Eh non, tous les Égyptiens, wa Misri wote, ont perdu leur nez. Walipoteza wazaliwa wa kwanza. Ndio. Et quand il s'entêtait, il pouvait dire partez. Kusema, vous avec les grandes personnes, laissez les enfants. Et Moïse disait, nous n'allons même pas laisser même un ongle. Mais toi, ma soeur, tu as des vernis aux ongles. Où est-ce que tu as laissé tes ongles dans le monde? Fuyez la mondanité. Kimbieni kidunia. Sautez totalement. Tokeni kwa lote. Et les Israélites sont sortis. Na wana wana Israeli walitokaka. Totalement. Bote walitokaka. Et se sont mis en route. Na bakajiweka munjia. Quand se sont mis en route, wakati walikuwa natembea, au lieu que Pharaon cesse de les suivre, bali Pharaon acha bafuata, il les a suivis. Alibafuata. Et ils sont arrivés où un côté c'était la, à droite des montagnes, à gauche des montagnes. Et devant la mer rouge. Israël a oublié. Israël a l'isabu. Il ne faut pas oublier vos expériences. Aipa, je kusabu ma ojo yenu. Ça vous renforce. Ça vous renforce. L'Éternel qui a fait ça, il fera aussi ça. Atafanya tena hiki. Alors ils ont commencé à crier. Pourquoi crier? Pourquoi crier? Na Mungu alisema Johnny Mungu na riaria. Semeni. Moïse, tu as quoi? Le bâton, frappe sur la mer. Pika pa bahari. Et avant de frapper ça, mbele kupika bakora, il a dit, alisema, ces Égyptiens que vous voyez ici, awa wa Misri mnaona hapa, vous ne les verrez plus. Amutaba, il était sûr. Alikuwa na uhakika. Ndio. Il était sûr. Alikuwa na uhakika. Ndio. Il n'avait pas eu honte. Ashikushikaya. Effectivement, il a frappé. Nabiakwela alipikaka. Et ils sont passés. Nabaripita. À sec. Pakavu. Tu as frayé la route. Mungu alipasula balabala. Les Égyptiens aussi. Bamisri nabo pia. Voulaient les suivre. Balipenda bafuata. Dans la marche. Ndani ya mwendo. La chrétienté ne limite pas. Kikristo hakina mipaka. Il faut que tu sois né de nouveau. Inapaswa uzaliwe jipya.
Si tu te fais chrétien toi-même, tu auras des problèmes. Ta marche sera difficile. Alors les Égyptiens, leur marche était devenue difficile. Pendant que Israël était à l'aise, les pneus, les chars, c'était difficile. Israël est sorti. Dieu a dit frappe. Il a frappé. Les eaux se sont refermées. Et Pharaon et son armée décédés. Comme Moïse l'avait dit, ces Égyptiens, vous ne le verrez pas. Mais dans le film, les 10 commandements. Le film, les dix commandements, on a fait Pharaon retourner et dire, le Dieu de Moïse est terrible, il est incomparable, mais l'écriture dit, Pharaon et son armée décédés. Alléluia! Alléluia! Nous prenons une autre personne. David. David aussi n'a pas eu honte de Jésus. Il n'a pas eu honte. Akushikaya. Pendant qu'il paissait le troupeau d'Esaïe, son père, le lion est venu. Simba likuya. Il a pris la brebis. Il a suivi et a terrassé le lion. L'ours est venu. Dubu. Le l'ours est venu. Dubu. Il a fait la même chose. Il a suivi et l'a tué. Maintenant, Israël était en guerre avec les Philistins. Son grand frère Eliab. Il avait le frère Eliab, Abinadab et Shama. Ces trois grands frères. Ils sont allés en guerre. Et là, il y avait un Philistin Goliath. Il y avait un Philistin Goliath qui a fait terreur là-bas. Israël était en débandade. Son père lui a dit, va amener des vivres à tes frères là à la guerre. Baba ya kalimambia wendo peleke chakula kule kumvita kukubanduku yako kuna kawia. Ils sont allés. Na alienda. Il est parti. Alienda. Il a laissé les bagages à celui qui garde les bagages. Ali mwachi ya bifulushi ola chunga bifulushi. Il est descendu au camp. Na akashuka ndani ya kambi. Quand il est arrivé, il a rencontré Israël et les Philistins en rang en bataille. Tout d'un coup, c'est le Philistin qui a sorti quelqu'un. C'est le Philistin. Il a commencé à injurier le Dieu d'Israël, le Dieu vivant. Et Israël tremblait. David, quand il a vu, quel est cet incirconcis qui injure l'armée céleste, l'armée du Dieu vivant? Dieu a aussi son armée. Il s'appelle l'Éternel des armées. Mais qui est cet homme? Alors il a entendu les gens dire, celui qui va tuer Goliath, le roi va lui donner beaucoup de biens. Et même sa famille sera bien. Sa famille. Il sera même gendre du roi. Le roi va lui donner sa fille pour épouse. Il a dit, c'est comme ça. Quand il a commencé à parler avec les gens, Eliab, son frère, s'est fâché. Quand tu commences, nous connaissons ton orgueil. Tu commences. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je demande seulement, où est mon problème?
Frère, quand quelqu'un a déjà fait des expériences avec Dieu, il devient inébranlable. Il n'a pas honte. Alors il a posé la posée, la nouvelle est arrivée au roi. On a appelé David. David lui vient. Le roi ne voit qu'un enfant. Mon frère, on a tous les quatre. De toi, tu es un enfant. Et lui, il est exercé à la guerre depuis son enfance. David dit, oh roi, mon seigneur, ne t'inquiète pas. Quand ton serviteur paissait les troupeaux de son père, wakati mtumishi wako alikuwa analisha kondoo yake. Je l'ai terrassé. Mirimuwa. L'ours est venu. Je l'ai terrassé. Mirimuwa pia. Il me sera aussi comme de ce Philistin qui injurie l'armée de l'Éternel. C'est lui qui m'a délivré. Des pattes de lion et des griffes de l'ours. Il va me délivrer. De cette circonstance. Alors, Saul a pris ses armes. Il a revêtu David. Les credos, les Ave Maria, les histoires sont louées pour nous. Ah. Alors, non, moi je ne suis pas habitué au credo. Moi je voudrais être libre. Alors il était seulement avec son bâton de berger. Il est allé prendre 5 pierres polies. Les noms du Seigneur Jésus-Christ en 5 lettres. Téléphonez seulement au numéro 5. Jésus. Au nom de Jésus. Tous genoux fléchis. Et vous aurez la réponse au nom de Jésus. Et dans Jésus, il y a Jéhovah, Jéhovah éternel, Sauveur, unique Seigneur. Alors, David était devant Goliath. Quand Goliath a vu, la ville a dit, c'est un gamin. Mais il avait le bâton. Mais tu viens avec moi avec le bâton. Et il a maudit David au nom de ce Dieu. Il a dit, aujourd'hui je vais te couper la tête. Et David dit, toi tu viens devant moi avec les javelots, avec des lances. Mais moi je viens auprès de toi au nom de l'Éternel. Aujourd'hui, Léo, je vais te couper la tête. Et tout le monde saura qu'en Israël, il y a un Dieu. La délivrance n'est pas dans la lance, n'est pas dans les armes, mais la délivrance vient de Dieu. C'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. Alors Goliath s'est avancé. Et David s'est avancé en courant. Il a pris seulement une pierre. Il a mis dans sa fronde. Jéhovah. Le jeu seulement, Jéhovah. Ah. Il a pris ça, il a mis dans sa lance-pierre. Et il a couru. Goliath était bombé partout. Il avait seulement laissé le front. Partout là où vous allez le frapper, il n'y aura pas de problème. Puisque là, il est bombé partout. Alors David a lancé la pierre. Et Jéhovah a pris la pierre. Jéhovah a pris la pierre.
jusqu'au front. Pakana pansula. Là où même. Pakapa le penyewe. C'était ouvert. Par le quoi wazi. Au raisonnement. Wazo. Au nom de Jésus. Muchina la Yesu. Nous renversons tout raisonnement. Tu connais fout de mawazo yote. Dans la foi, on ne raisonne pas. Dans la foi, nous croyons. Alléluia. Alléluia. Et l'autre est tombé. Goliath il n'est pas tombé ni contre terre. Il est tombé face contre terre. Ah. Dio. Voyez, quand quelqu'un fait l'expérience du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit veut vous faire tomber, c'est pas comme ça, non. Apana, sula yulu, ivi, apana. Alors David a couru. Il a pris l'épée même de Goliath. Ah, il a pris l'épée de Goliath. Et il a coupé la tête. Et il a fait montrer. Israël a la chance. Et Israël était fortifié. Et le camp des Philistins en débandade. La victoire appartient à l'Éternel. Alors, même l'Israélite le plus faible, le boiteux, il est devenu fort. Il pouvait courir en boitant. Il suivait le Philistin. Et le Philistin avait eu peur de lui. En Jésus-Christ, même le plus faible devient fort. Alléluia! Alléluia! Nous sommes forts en Jésus-Christ. Et il a terrassé Goliath. Ah. Aujourd'hui, tu peux avoir Goliath. Ça peut être la maladie incurable. Ah. Ça peut être quelque chose qui ne trouve pas solution. Oui, il est le Dieu d'impossibilité. Ce qui est impossible à nous, lui c'est possible. Croyez seulement et vous verrez la chose s'accomplir. Croyez seulement, vous verrez votre guérison. Croyez seulement, vous aurez solution à votre problème. Alléluia! Alléluia! Nous prenons un autre. On a beba mwingine. Nous prenons maintenant ça, ce sont trois personnes. Ah papa nene batatu sasa. Meshach. Shadrach, Meshach et Abednego. Apa ni batatu Meshach, Shadrach na Abednego. Eux aussi n'ont pas eu honte. Bona baba kupataka haya. Le roi a levé une statue. Mufalme alinamusha nkishi moya. De 30 mètres. Wa 30 mètres. De hauteur et de 3 mètres de largeur. Il a placé dans la vallée de Douma. Dura. 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 Et il a dit, quand vous entendrez le son de la trompette, de Salomon, Sambouke, et autres instruments, vous allez vous prosterner devant la statue et adorer la statue. Ils ont fait la première fois. Shadrach et Meshach, eux avaient une loi. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, et l'unique Seigneur. Tu n'adoreras pas un autre Dieu. Dieu ne se mélange pas. Un pied dans le monde, un pied dans la parole, non. Ça ne va pas marcher. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme. Alors ils ont dit non, nous non. Et les gens les ont vus, ils ont emporté la nouvelle au roi. Le roi était irrité. Il a appelé Shadrach, Meshach et Abednego. Et ça, c'est au propos délibéré que vous avez fait ces choses. Et tu ne comprends que tout, mon affaire est le mambo.
Maintenant, tenez-vous tranquille. Sasa, mubake kimia. Dès que la trompette sonne, wakati parapande le chamoumon, kinubi, le stambouk, machambouk, et tous ces instruments-là, abiolta binanda bingine, tenez-vous prêts à adorer, à vous prosterner. Mwichiweke tayari kwa budu na kushududu. Ils ont dit, wakasema, oh roi, oh mfalme, nous n'avons pas à te répondre là-dessus. Le roi dit ceci. Lakini, le roi dit ceci. Si vous ne faites pas, kama mufanye, je vais vous jeter dans la fournaise. Mitamitupa na tanuru, et on verra que le Dieu na ni Mungu kani, va vous délivrer de la main. Il a injurié Dieu. Mungu. Et c'est ça son échec. Na ndio kushindwa kwake kule. Ndio. Oh, je verrai quel est Dieu. Non. Mitaona Mungu kani? Hapana. Ah, tu vas le voir, tu vas le voir. Utamuona. Et ils ont dit on n'a pas répondu là-dessus. Bakasema tunaanika kujibu pale yulu. Si le Seigneur, kama Bwana, le Seigneur peut nous délivrer de ta main. Bwana ataweza kutufungula kwa mkono wako. Mais sinon sache ça. Lakini atakama shidre jua hiki. Nous n'adorerons pas ta statue là. Ah, tout à bout d'où l'inquiète wako oule. Il pleuve. Il pende. Il neige. Il chouque. Nous non. Cheye apana. Ils n'ont pas eu honte. Ah, kupata kushikia haya. Allez chauffer cette fois. Chauffer cette fois la fournaise. Allez mweke tena makari mara saba tanuru. Ils ont chauffé cette fois. Bakawasha tena mara saba tanuru. On va vous jeter, ça va. Tutamitupa, ndio. Là au ciel. Pale kumbingu. Je ne sais pas si c'est ange Michael. Pale kumbingu, sijua kama ni malaika Michael. L'archange Michael. Malaika mkubwa Michael. Il pouvait dire au Seigneur. Aliweza kumwambia Bwana. Seigneur, regarde tes témoins là-bas. Bwana angalia washuhuda wako pale. On commence à les tracasser. Bananja saba deranje. Veux-tu que je descende? Je unapenda nishuke? Non, laisse ça. Hapana, acha ile mambo. Moi-même je verrai. Mimi mwenyewe nitaona. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Lui, il vient au bon moment. Il ne vient pas en avance ni en retard. Non, il vient au bon moment. Alors on a lié les bourreaux, les ordiers. Les bourreaux. Wale wa shuja, wachambazi, wale bafunga. Ils ont jeté. Wale batupa. Et l'Éternel était dans le feu. Na wamilale kwa ndani ya moto. Il a calmé l'ardeur de feu. Alinyamazisha ulimi ya moto. Le feu a coupé seulement les cordes. Moto libakata tu, makamba. On a jeté l'autre, on a jeté l'autre. Mwingine, batupa na mwingine. Ceux qui les ont jetés sont morts. Bali wale batupa walikufa. À cause du feu. Chuyamoto. Mais Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans le feu. Balikuwa ndani ya tanuru. Libre. Benye kwa uru. Avec l'Éternel là dedans. Na wamilele mule ndani. En paix. Musalama. Nous sommes en paix. Tuko musalama. Devant l'Éternel nous sommes en paix. Bele wamilele tuko musalama. Et il leur dit. Aliwezo bambia. Vraiment vous n'avez pas eu honte de moi. Ya kweri amkunishikia haya. Voici je n'ai pas eu honte de vous. Na mishiki mishike haya. Mais voici je suis venu vous secourir. Mi huyu mina kuya kumisaidia. La quatrième personne. Mtu wa ine. Chiffre de délivrance. Ni somo ni. De délivrance. Ni hesabu ya ufungulifu. L'Éternel était là. Il a calmé le feu. Alinyamazisha moto. Dio. Et maintenant, le roi regardait. N'avons-nous pas jeté trois personnes? Mais il y a un quatrième. Et ce quatrième ressemble au Fils de Dieu. Il est là. Là où vous serez à deux. Ou à trois, mon nom, je suis là. Et il est là ce matin, il est parmi nous. Alléluia! Alléluia! Ils étaient là, en train de se libre, dans la paix, là-bas. Dani asalama, mulendani. Et le roi, il a dit, Shadrach, Meshach et Abednego, Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Batumishi wa Mungu wa juu sana. Ah, il a reconnu alitambua que le Dieu de ces gens, ya kwamba Mungu wale batu, c'est un Dieu suprême. Ni Mungu wa juu sana.
Sortez, venez. Et chantez. Peut-être chantez que chantez. Wana wako watizame mwendo wako wa oshendaji Shadrake pouvait sortir. Shadrake aliweza kutoka. Meshake aussi pouvait sortir. Meshake aliweza kutoka. Dieu tout puissant comme on peut considérer tout l'univers créé par ton pouvoir le ciel d'azur les éclairs étonnés L'éclair matin ou les ombres du soir. Et tout mon être le s'élève et chante. Que tu es grand, que tu es grand. De tout mon être le s'élève et chante. Dieu tout puissant, que tu es grand. Abednego pouvait aussi sortir. Ametenda majabu na misiwezi kueleza siwezi kueleza na moto inapoa na misiwezi kueleza siwezi kueleza siwezi kueleza na moto inapoa na misiwezi kueleza siwezi kueleza ametenda haleluya haleluya Il est tout puissant. Ni wa wezo ote. Et il ne faut pas avoir honte de lui. Ay, pasto kumusikia haya. Aujourd'hui, si vous avez honte de lui, Leo, kama kuna haya yake, il aura aussi honte de vous. Na yeye vile vile atakuwa na haya yako. Prenez position de lui. Beba ngambo yake. Nous prenons Daniel. Tu bebe Danieli. Daniel. Danieli. Daniel était choisi. Daniel alichaguliwa parmi les satrapes et les autres. Katikati ya watu wakubwa wa hekima na wengine. Mais l'esprit de Daniel, l'esprit de Dieu toujours supérieur. Lakini roho ya Mungu ni karaba paka yulu. Alors le roi dit que non, non, David est supérieur. Lakini mufalme aliona kwamba. Il faut que je l'élève, je le mets le chef. Daniel je le mets le chef. Daniel est connu qui m'a mis en passant un pendant chez Yula. Alors les autres, quand ils ont entendu ça, Wakati bengine walisikia vile, ils ont eu la jalousie. Bakapata bwivu. N'ayez pas un mauvais cœur, mon frère. Usikuwe na roho mbaya, ndugu yangu. N'ayez pas un mauvais cœur, ma soeur. Apana kwa na roho mbaya, dada yangu. Quand ton frère est béni, kama ndugu yako anabarikiwa, n'ayez pas un mauvais cœur. Usikuwe na roho mbaya. Toi aussi, tu es béni en lui. Wewe unabarikiwa ndani yake. Peut-être dans son véhicule, il te prendra là-dedans. Tu seras béni toi aussi. Na wewe vile vile utabarikiwa. N'ayez pas de mauvais cœur. Usikuwe na roho mbaya. Alors ils ont cherché comment tuer, comment prendre Daniel. Ils ont fait tout, ils n'ont rien trouvé. Ils ont dit, nous allons entrer dans la loi de Dieu. Ah, nous allons le prendre là-bas. C'est ce qu'avait fait l'autre là. Balaam avait échoué de maudire Israël. Mais il a tendu un piège pour que Israël tombe. C'est ce que eux aussi ont fait ça. Ils ont dit au roi, on donne dans 30 jours.
Personne ne peut adorer un autre Dieu. Excepté toi, au roi. Ici, pourquoi vous me fermez? Et celui qui va refuser, il faut le jeter dans la fosse au lion. Il n'a pas de mouchim la simba. Dieu. Notre loi est immuable. Alors, quand Daniel a entendu ça, Daniel a on a faussé le roi, a accepté. Mais quand Daniel a entendu ça, Daniel a il est monté dans sa chambre. Haute. Il a ouvert les fenêtres en direction de Jérusalem. Comme Salomon avait dit, si quelqu'un prie en regardant ici à ce temple, roi du haut-dessus éternel exauce. Alors il a ouvert les fenêtres en direction de Jérusalem. Et il priait trois fois. Il n'a pas eu honte. Mais toi, tu as honte. Il n'a pas eu honte. Et ils sont venus tumultueusement. En train de prier, ils ont amené le problème au roi. Au roi, Daniel ne considère pas. Ils sont les jetés dans la fournaise. Disons dans la fosse. Daniel Simon. Le roi essayait de. Sachant que Daniel c'était une bonne personne. C'est un serviteur de Dieu. Le roi essayait de sauver Daniel depuis le matin jusqu'au le soir. Mais en vain. Ces gens étaient forts avec la loi là immuable. Et il a dit bon, jetez-le dans la fosse au lion. Et il a dit à Daniel, puisse-t-il le Seigneur, le Dieu que tu aimes avec persévérance, puisse-t-il te délivrer de la gueule des lions? Nous persévérons. On ne recule pas. Dans les choses de Dieu, nous ne reculons pas. Nous allons de l'avant. Et Jésus a dit, si quelqu'un touche à la charrue et qu'il regarde en arrière, il n'est pas digne de rappeler d'ici. De Jésus. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Et nous cherchons de quoi et le suivre. On a jeté dans la fosse au lion. Daniel est arrivé là-bas. Daniel les lions n'ont rien fait. Dio. Il était calme là. Et il était sûr. Il n'avait pas honte. Mais toi aujourd'hui tu as honte. Le roi est allé jeûner. Il n'a pas appelé même ses concubines. Daniel. Et trop tôt matin, na asubuhi mapema, il vient. Akakuya. Il arrive à la fosse. Avec tristesse. Na huzuni wote. Daniel, serviteur du Dieu vivant. Daniel, mtumishi wa Mungu aliye hai. Le Dieu que tu sers avec persévérance. Ule Mungu unatumikia na kudumu kote. Il n'a pas eu honte de lui. Mais Dieu que tu sers avec persévérance. La vie de lion. Il a entendu seulement là à l'intérieur. Au roi. Vie éternellement. L'éternel a envoyé son âme. Et a fermé la guerre de lion. Il ne m'a rien fait. Et le roi était dans la joie. Le roi Darius. Faites-le sortir. Il est sorti. Alitoka. Maintenant. Na sasa. Le roi a dit. Mufalme akasema. Celui qui va jouer avec le dieu de Daniel. Ula tacheza na Mungu wa Danieli. Sera dépiécé.
Maintenant, on a pris ceux qui ont comploté contre Daniel. On les a jetés tous dans la fosse aux lions. Mon frère, les trous que tu creuses pour que ton frère tombe, c'est dans ce trou même que tu tomberas. N'ayez pas de mauvais cœur. N'ayez pas de mauvaises pensées. Refoulez. Mardoché, c'était la même chose. Mardoki, il est comme moya. On a dressé une croix, on va pendre Mardoché. C'est lui qui avait fait cette croix pour pendre Mardoché. On l'a pendu là même sur ce bois. Là, il est olé, il est. Et tu veux que ton frère reçoive, reviendra. Il reviendra sur toi. Craignez l'Éternel. Craignez l'Éternel. N'ayez point honte. On nous a dit qu'on aura peu de temps. Je termine avec l'aveugle né. L'aveugle né. Le temps nous manquerait de citer les vaillants. Ils n'avaient pas honte. Les femmes, on pouvait les ventrer. On pouvait scier les autres. Mais ils ne reculaient pas. Ils n'avaient pas honte. On tue un chrétien, l'autre avance. On tue, l'autre avance. Il n'avait pas honte. Mais pourquoi toi aujourd'hui tu as honte? Ou bien tu ne l'as pas rencontré? Alors l'aveugle né. Nous allons terminer par l'aveugle né. L'aveugle né. Il était là. Et Jésus est passé avec ses disciples. Les disciples lui ont dit, regarde cet aveugle. Et ses parents, ou lui-même qui a péché, elle a dit non, ce n'est pas ni ses parents ni lui-même. C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Et il a dit, il faut que je travaille pendant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Après ça, il a fait de la boue. Il a fait de la boue. Après, il a mis là-bas. Et lui dire, va te laver au réservoir de Siloé. Il est allé. Il s'est lavé. Et il a vu. Il était dans la joie. Ah, c'est ce qu'on appelle montagne. Ah, c'est vraiment beau. C'est ce qu'on appelle lac. C'est ça la couleur rouge. C'est ça l'or. Et il était dans la joie. Il était dans la joie. Merci, merci Seigneur. Accent, pour m'avoir ouvert les yeux. Merci, merci. Accent. Soyons reconnaissants pour tout ce que Dieu fait. Soyons reconnaissants pour tout ce que Dieu fait. Même la moindre chose a de l'importance. Il pouvait glorifier le Seigneur. Il pouvait le glorifier le Seigneur. La nouvelle est arrivée partout. Même chez ses parents.
Alors les gens regardaient. Ce n'est pas le mendiant là qui était là assis en train de mendier. Baba Saïdia. Uni Saïdia Eko. Aidez-moi. Baba Saïdia. Uni Saïdia Eko. Aidez-moi. Ce n'est pas le mendiant là. Aïe. Il lui dit, c'est moi. Les gens s'est discuté. Il dit, c'est lui. D'autres, non. Il lui ressemble. Et lui-même, il dit, c'est moi. C'est moi. Voyez-moi, c'est moi. Alors, comment as-tu vu cet homme qu'on l'appelle Jésus? Il n'a pas eu honte de Jésus. Aujourd'hui, si vous avez honte de lui et de ses paroles, il aura aussi honte de vous. Cet homme qu'on l'appelle Jésus a pris de la boue. Il a fait le crachat, il a craché par terre. Et il a fait de la boue avec sa salive. Il m'a mis là-bas. Et il m'a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Je suis allé me laver. Et maintenant je vois. Toi qui parles là, je te vois. Alléluia. Alléluia. Je vois. Je vois les montagnes. Je vois les oiseaux. Je vois les bêtes. C'est vraiment merveilleux. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors la nouvelle est arrivée aux pharisiens. Les garçons, est-ce toi qui étais né aveugle? Oui, c'est moi. Comment as-tu vu cet homme qu'on appelle Jésus? Il a fait de la boue. Et il m'a plaqué là-bas. Il a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Oh Jésus. Il a fait ça le jour du sabbat. Lui, il est le maître de sabbat. Et ne savait pas. Oh non, il viole le sabbat. Non, il était le maître du sabbat. C'est lui-même qui a donné cette loi. Il était le maître. Comment il a fait? Il a fait ceci. Non, comment il a violé le sabbat? Il ne vient pas sabato de Dieu. Mais si il était mauvais, il n'allait pas m'ouvrir les yeux. Et sur ce, les pharisiens se sont divisés. Il y a eu deux camps. Un autre camp pour Jésus. Un autre camp reste pour le diable. Alors, les autres n'étaient pas sûrs. Ils ne croyaient pas. Jusqu'à ce qu'ils ont appelé le parent de l'homme. Ils ont appelé le parent. Quand les parents sont venus, on a posé la question. Est-ce votre enfant que vous dites né aveugle? Ou c'est quelqu'un d'autre? Ils ont dit. Et comment il a vu? Les parents avaient eu honte de Jésus. Parce que tout le monde était convenu. C'est lui qui reconnaîtra Jésus comme Christ. Sera exclu de la synagogue. Alors ils ont eu honte de Jésus. Ils ont dit. Nous savons que c'est notre fils. Et qu'il est né aveugle. Comment il a vu? Nous ne savons pas. Il a de l'âge. Il va vous répondre lui-même.
Il va vous répondre lui-même. Ils ont dit ça avec peur pour qu'on ne les jette pas hors de la synagogue. Qu'on nous pende. Qu'on nous frappe. Qu'on soit dans la nudité. Aucune chose ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Même s'il faut mourir pour Christ. Nous mourrons. Mais reculer, non. On n'aura pas honte de Jésus. Et nous ne devons pas avoir honte de Jésus. Les parents ont eu honte de Jésus. Ils ont eu honte d'être exclus. Ils ont eu peur d'être exclus de la synagogue. Allô? Napale. On a posé la question. Baka uliza ulizo. Non, il n'est pas bien, il n'est pas bana, bon. Ana mtu mzuri, ana waaki, na bingine biote. Et nous ne savons d'où il est revenu. Na atujona kwenye alitokea. Nous avons notre disciple, c'est Moïse. Che tuko na nabii wetu ni Musa. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est venu. Na huyu atujue anatokea wapi huyu. L'aveugle né a dit. Kipofu kuzaliwa kasema. Mais il est non? Que vous puissiez dire, nous ne savons pas d'où il est venu. Cependant, il a ouvert mes yeux. Vous ne voyez pas que c'est Jéhovah. Il est dit dans la parole. Ça, ce sont des commentaires, pouvez commenter. Il est dit dans la parole. Quand l'Éternel viendra pour vous sauver, il viendra lui-même vous sauvera. Quand il viendra vous sauver, les aveugles verront. Mais moi je vois. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas qu'il est Dieu. Et vous dites qu'il est... Cependant, il m'a ouvert les yeux. C'est ce qu'il a dit. Vous ne savez pas. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Il a fait allusion à Isaïe 35. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. Le boiteux sautera comme un cerf. Alors s'ouvriront les oreilles des sourds et la langue de Dieu éclatera de joie. Mais il m'a ouvert les yeux. Il n'a pas eu honte. On lui a dit, donne gloire. C'est un pécheur. Non, il n'est pas un pécheur. S'il ne venait pas de Dieu, il n'allait rien faire. Ce n'est pas un pécheur. Comment as-tu vu? Pourquoi voulez-vous encore l'entendre? Je voulais déjà expliquer. Voulez-vous être aussi ses disciples? Non, c'est toi son disciple. Mais nous sommes disciples de Moïse. Et on a chassé. On l'a chassé de synagogue. Il n'a pas eu honte. Et quand on l'a chassé, Jésus l'a recueilli. On va te chasser. Même chez vous, à cause de la parole de Dieu, tenez ferme. N'ayez pas honte de Jésus. Jésus a été flagellé. Il a laissé le trône de gloire. Il n'a pas eu honte. Et il a dit, je n'ai pas honte de les appeler frères. Nous sommes frères de Jésus. Il a dit, je n'ai pas honte de les appeler frères. Mais toi aujourd'hui tu as honte. Il a abandonné la gloire.
Il a abandonné le chant des anges. Les anges qui criaient Saint, Saint, et l'Éternel des armées. Saint, Saint, et l'Éternel des armées. Il a abandonné ça à cause de toi et à cause de moi. Il est venu, il a pris un corps de chair pour te sauver et pour me sauver. Et on l'a pendu au bois, ni à cause de toi et à cause de moi. Il te dit seulement, crois à cette et tu seras sauvé. C'est sans argent, sans argent, sans rien payer. Crois seulement à ça, tu seras sauvé. Mais toi tu refuses. C'est ce qui va amener beaucoup en enfer. Refusez l'offre de grâce. Il te dit seulement, crois à cette œuvre. Si tu crois, tu es sauvé. Et tu te fais baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul baptême qui est biblique. C'est pourquoi il te dit aujourd'hui, si tu entends ta voix, n'en dissocie pas ton cœur comme à Meriba. Prenez position de lui. Si tu es là et que tu n'as pas encore pris position de Jésus-Christ, faites-le aujourd'hui. N'ayez pas honte. Faites-le aujourd'hui. Oui, fagnez-le. N'ayez pas honte. Si vous avez honte de lui, et lui aura aussi honte de vous. C'est lui qui veut garder sa vie, il va la perdre. Mais c'est lui qui veut la perdre à cause de Jésus et à cause de bonnes nouvelles, il va la retrouver. À quoi bon de gagner le monde entier si tu perds ton âme? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste viendra après. Que Dieu vous bénisse. Courbons nos têtes. Est-ce que la chorale, vous savez Mateso ya Yesu? Vous pouvez nous entonner ça. Mon frère et ma soeur, si tu es venu pour la première fois et que tu n'as pas encore pris la position de Jésus-Christ, c'est le temps. Lève seulement ton doigt et viens ici devant. On va prier pour toi. Je vois un doigt. Viens, viens. Tu n'as pas eu honte de Jésus. Viens, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Tu n'as pas eu honte de Jésus. Jésus aussi n'aura pas honte de toi. Viens, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Viens encore, mon frère. Je vois le doigt là-bas. Mon frère là au fond. Viens devant. Toi qui as levé la main là-bas, n'ayez pas honte de Jésus. Qui encore?
Aujourd'hui, si vous avez honte de lui, il aura aussi honte de vous. Ah, je pense que le frère là, il a fait la confusion. Il ne vient plus. Qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Celui qui veut donner sa vie à Jésus-Christ, qu'il vienne devant. Qu'il vienne devant. Que Dieu vous bénisse. Nous avons deux sœurs et un frère. Qui encore? Alléluia! Alléluia! Qui encore? Qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Qu'il vienne devant. Aujourd'hui, si vous avez honte de lui, il aura aussi honte de vous. Nous avons un deuxième frère. Nous avons deux sœurs et deux frères. Qui encore? Même là-dedans, si vous êtes là, venez. Vous voyez un troisième frère. Venez, ne manquez pas. Ne manquez pas. Nous sommes en train de nous préparer pour aller au ciel, pour aller au noces de ne manquez pas mon frère, ne manquez pas ma soeur. Venez, nous avons un quatrième frère. Ne manquez pas mon frère, ne manquez pas ma soeur. Venez, Jésus vous appelle. Nous avons une troisième soeur. Venez, un cinquième, un sixième frère. Venez, Jésus vous appelle. Une quatrième sœur. Venez, venez. Jésus vous appelle. Ne manquez pas. Ne manquez pas. Si vous avez honte de lui, lui aussi aura honte de vous. Venez, ne manquez pas, mon frère. Ne manquez pas. Qu'on nous balance ce cantique.
vivant. Nous venons d'écouter la parole de Dieu. Nous remercions d'abord le Seigneur parce qu'il y a 5 sœurs et 6 frères. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, Kisha kaita maskani na wanafunzi wake. Il leur dit, akawaambia, si quelqu'un veut venir après moi, kama mtu anapenda kunifuata, qu'il renonce à lui-même. Ajikatale mbele yeye mwenyewe. Est-ce que ce matin, eti asubuhi ya leo, tu es prêt à te renoncer? Uko tayari njoo kujikatala? Est-ce que ce matin, eti asubuhi ya leo, tu es prêt à te charger de sa croix? Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Aujourd'hui la vie chrétienne ne se manifeste pas. C'est parce que nous avons honte de Jésus. Nous avons honte de la parole. Il y a même des gens qui ont honte de se promener avec la Bible. Il y a des gens qui ont honte d'appeler leurs frères des frères en Christ. Il y a même des gens qui ont honte de chanter à haute voix. Il y a même des gens qui ont honte même de prier pour leurs sœurs quand ils les rencontrent sur la route qu'ils sont malades. Comment Dieu peut réellement se manifester? Comment Dieu peut réellement confirmer ce que vous croyez? Tu as honte de Jésus, mon frère. Tu as honte de Jésus, ma soeur. Est-ce que tu peux donner l'exemple que nos frères et sœurs viennent de donner ce matin? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Même si tu gagnes l'argent, l'argent ne sauvera jamais ton âme. Il n'y a qu'une seule personne qui peut sauver ton âme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, as-tu honte de Jésus? As-tu honte de sa parole? Nous avions reçu la parole révélée. Angaria mouvario yako. Regarde ta manière de t'habiller. Angaria namuna kuna chitwala. Regarde ton comportement. Est-ce qu'il n'onesha akika ya kusema ulipokea sauti? Est-ce que cela montre vraiment que tu as reçu la parole? Si tu as honte de t'habiller selon la parole, si tu as honte d'agir comme un chrétien, tout cela prouve réellement que tu as honte de lui. C'est dans cet état que tu te trouves, mon frère.
C'est dans cet état que tu te trouves, ma sœur. Ainsi, nous, tous ensemble, nous allons implorer la grâce de Dieu. N'allons pas à gauche, n'allons pas à droite. Que chacun dise à Jésus, j'ai reçu ta parole, mais j'ai eu honte. J'ai eu honte. Use de bonté à mon égard. Nous nous mettons debout dans un esprit de méditation pour la prière. Médite sur ta vie face à la parole de Dieu. Ta vie face à la parole de Dieu que tu viens d'écouter. On nous a donné des types dans la Bible. Comme ils n'ont pas eu honte, Dieu a confirmé ce qu'ils avaient cru. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Dans cette génération perverse et adultère, une génération méchante, est-ce que tu prends position pour Jésus-Christ? Est-ce que tu prends position pour sa parole? Est-ce que tu prends position pour les frères, pour les sœurs? Celui qui a honte de Jésus, il a même honte des frères de Jésus. Si nous nous critiquons les uns les autres, alors que nous nous disons que nous sommes des frères, c'est parce que nous avons honte de la parole de Dieu. Nous chantons ensemble avec la chorale 111, Nyimbo za Wokovu. Dans un esprit de méditation, chacun médite sur sa vie face à la parole. Et pendant que nous chantons, mon frère, ma soeur, si tu es encore dans le banc, et que sur base de la parole que nous venons d'écouter, tu veux t'ajouter à ceux qui viennent d'accepter Jésus comme le receveur, au nom de Jésus.